rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et voici donc la Corée du Sud contre l'Allemagne. Un nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Possible que ce soit Son. Comme beaucoup de grands joueurs coréens, il n'a pas peur de courir. Et il le fait avec le sourire. Son énergie pourrait faire la différence. Oui, je suis plutôt d'accord. Toni Kroos. L'Allemagne qui essaye de construire. À la limite de la surface. Kroos. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Il a parfaitement profité de l'espace dans l'axe. C'était très bien joué. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. La Corée du Sud qui... Faute, oui, faute et coup franc à venir. L'ouverture, c'est osé, c'est un bon mouvement, il va provoquer, ouverture vers le poteau de corner, et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur, ce sera un corner, ce sera le premier corner du match. Quelle détente! Il y a danger. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Angulaire, dans la surface. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Özil. Oh, c'est un arrêt important, ça. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Long ballon dans le sens du jeu. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Un ballon intéressant. En retrait vers son gardien. Le long dégagement du gardien. Il glisse le ballon en profondeur. Bien, la profondeur. Il tire. But pour l'Allemagne. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Il met le score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Mikiol qui cherche la faille. Ça manque un peu de solution. Physiquement pour récupérer ce ballon. Il joue dans l'espace. Il est passé. Difficile de tirer. Allez, c'est dangereux. Ouyacheol. C'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Coup d'envoi de la seconde période. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici.
deux buts. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Ils sont revenus sur le terrain avec des meilleures intentions. C'est bien. Beaucoup de tension dans cette zone. Pas facile de conserver le ballon. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ce sera un coup franc. Sur cette intervention, il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Oui, ben il a déjà fait le coup de passer dans le dos, alors forcément il se méfie maintenant. Bon, c'était engagé, mais pas de faute. Voici Son et ce ballon sur l'aile. Oui, Ocheol, il a de l'espace. Et non, ce sera un 6 mètres. Fait rentrer du 109. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuiser. Quel timing dans l'interception! C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Quelle est belle cette victoire, belle et méritée. Ils étaient tout simplement plus forts aujourd'hui. Alors, votre analyse sur cette rencontre? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous.